crédit photo, capture d'écran YouTube. C'est d'ores et déjà le premier gros événement musical de l'an prochain. Ninho sera en concert au Stade de France le 3 mai 2025. Un show en forme d'apothéose pour la nouvelle superstar du rap français qui deviendra seulement le quatrième rappeur à remplir l'arène de Saint-Denis après Gims, Booba et Soprano. Cette date symbolique sera également le climax de sa grande tournée des Zénith Refe Airlines Tour, qui débute dans quelques jours à Orléans et passera par les plus grandes salles de France puis dans les festivals cet été dont We Love Green ou les Francofolies. Cette date symbolique sera également le climax de sa grande tournée des Zénith Refe Airlines Tour, qui débute dans quelques jours à Orléans et passera par les plus grandes salles de France puis dans les festivals cet été dont We Love Green ou les Francofolies. Le player Dailymotion est en train de se charger. Le player Dailymotion est en train de se charger. Avec son équipe, l'interprète de lettres à une femme parade au volant d'une moto ou à l'arrière d'une Mercedes entre les loges, les allées et la pelouse de l'enceinte dionysienne, où seront rassemblés plusieurs dizaines de milliers de fans dans 15 mois. Et puis le 3 mai 2025, on sera 80 000 c'est plus d'humains que dans ta ville. Il lâche-t-il sur ce freestyle dans lequel il promet du lourd pour son concert, la fosse et les gradins, complet, Chevrolet Hux rouge sous la cagoule complice. On produit la tournée, c'est nickel, on passe par le public comme Hallyday. Néanmoins une phrase du freestyle interpelle les fans, on va fêter, je disparais juste après comme un fantôme. Faut-il comprendre que Ninho arrêtera la musique au sommet après ce grand concert au Stade de France? Dans l'émission Le Code de Mehdi Maizi, depuis supprimé, l'artiste évoquait déjà son envie de prendre une pause, fin de transmission, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que je me retire un peu. Tu connais, moi je rappe depuis 18 ans. Faut-il comprendre que Ninho arrêtera la musique au sommet après ce grand concert au Stade de France? Dans l'émission Le Code de Mehdi Maizi, depuis supprimé, l'artiste évoquait déjà son envie de prendre une pause, fin de transmission, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que je me retire un peu. Depuis mes 18 ans je suis au studio, showcase, tournée, ça c'est ma vie. On repart encore, on repart encore. On repart encore, on repart encore. Comment, je me dis je m'arrête quand? Je me retire quand? En vrai c'est se retirer et vivre un peu. Que j'aille voir d'autres pays, faire d'autres choses.